Bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG de Normandie et nous nous retrouvons pour l'épisode 6 de l'Empire de MDJ qui est un let's play sur le jeu César 3 qui est sorti sous Windows 98. Donc nous avions terminé on avait débuté là une nouvelle partie, donc juste que je me familiarise avec cette carte que j'ai déjà faite, mais je ne m'en souviens plus. Alors, déjà ça passe par la mer, donc il va nous falloir un dock. Ici on nous achète du poisson et de l'huile, et ici on nous achète des armes. Ah! Ça c'est intéressant. On va acheter. De toute façon, on va ouvrir les deux routes de commerce. Dans tous les cas. Sinon, lui, il nous vend de la poterie également. Et lui, il nous vend. Ah, il nous vend de la. Il nous vend du marbre, du vin. Ah, il nous vend du blé également. Ah, ça, c'est intéressant. On va pouvoir. On va quand même pouvoir s'en sortir au niveau nourriture. Alors, juste pour savoir, est-ce que. Oui, on doit se créer une armée. Ok. Bon, très bien. Alors, on va. Alors, attendez, je vérifie juste ma vitesse de jeu. Alors, on va tout miser déjà sur la pêche, en partie. Ça va être. Je pense que ça va être le principal problème. Donc, on va commencer par les industries pour une fois. Et non par. Donc on va commencer par donc avoir un chantier naval. On va se construire des quais, on va se construire au moins 3. Ça c'est pour aller chercher le poisson. Et on va se construire un dock ici. Peut-être même qu'on va pouvoir se faire un autre quai ici. Ouais, 4. Parfait, comme ça au moins on a déjà notre industrie, notre exploitation de la pêche. Et un début pour tout ce qui est tout ce qui est commerce. Donc ça c'est plutôt intéressant. Ok, ensuite le bois on va le faire de ce côté-là. Donc ici on va se faire tout ce qui est ferme. Donc on va déjà déblayer tout ça. Parce que je tiens à avoir l'autre partie derrière là pour exploiter le bois, parce que je sais que par contre on peut faire aussi du bois, donc voilà, donc on va faire ça. Donc voilà, donc ici ce sera le fer. Donc de toute façon, premièrement, notre première habitations, on va les faire dans ce secteur-là. De toute façon, on va déjà poser nos entrepôts, comme ça je sais. On va déjà poser un entrepôt, c'est juste histoire que j'ai une marque. Voilà, comme ça on sait que ce sera ici que sera posée un petit peu notre première cité. Et ça, on va directement aller le relier à la route. Voilà. Ok. Et on va. Comment on va organiser ça? On va organiser ça ici. Va sur une zone assez grande. Ça c'est peut-être un poil trop grand. On va couper ça en deux. Ça comme ça. Mettre des trucs au milieu et puis on va ensuite faire la deuxième zone. Ok, ensuite, ben, tout simplement, bon, on va faire le réservoir au milieu, tiens. Comme ça vous permettra d'avoir une base. J'essaie de réfléchir comment optimiser au mieux l'espace, en fait. Donc,
Voilà, donc je pense que le réservoir ici, ça permettra. Voilà, comme ça, ça nous laisse un espace pour faire tout ce qu'on a à faire ici. Premièrement, la préfecture et l'étude d'ingénierie, on va les mettre ici. Comme ça, on est sûr du truc. On peut déjà poser nos entrepôts, sachant qu'on en aura déjà un qui va se spécialiser là-dedans. Un autre qui va se spécialiser dans les armes, parce que c'est ce qui va constituer notre le plus gros de notre économie. Ok, on a déjà quelques bases. Ok, donc tout ça c'est approuvé en eau. Là, ici il y avait un entrepôt que j'ai mal placé. Ok, donc ça c'est pas mal pour le moment. Comme ça, ici, hop, on sait qu'on aura nos fermes. Qu'est-ce qu'on a en ferme? On a que des fruits et des olives. Donc on va faire mi-fruits, mi-olives. C'est pas compliqué. 1, 2, 3, 4, 5. On va faire 5 de chaque déjà pour commencer. Voilà, au moins on sait que ce sera un début. Est-ce qu'on peut faire 6 de chaque? Ok, nickel. Bon, déjà là, ça c'est sympa. Ici, tiens, on va faire le fer ici, tiens. Ça permettra d'exploiter déjà le fer ici. Mais avant, il va falloir qu'on organise tout ce qu'il nous faut ici. Donc ici déjà, il nous faut les jardins, les plazas, les vendeurs habituels. Qui dit ferme évidemment dit grenier. Qu'on va mettre ici. Donc on risque d'avoir un petit peu de militaire. Normalement assez léger. Donc on va... Ici ça m'embête parce que... Non, le fer je le ferai plutôt par là, le bois par ici. On va faire ça comme ça. Donc ici on va tout simplement mettre... et ici ensuite je remettrai bien une préfecture et une étude d'ingénierie par là, comme ça couvre la partie ici puis là bas toujours pareil pour la médecine. On va déjà établir l'ordre des priorités avant que tout le monde arrive, comme ça ce sera fait. Donc service des eaux en priorité, la technologie ensuite, les préfectures. Ensuite on va avoir l'hygiène et l'éducation, production de nourriture. Et après on verra bien, on verra selon les besoins de notre bon peuple. Ensuite, on est reparti pour une deuxième zone résidentielle. Hop.
Alors ensuite, il nous faut les lieux de culte, évidemment. On va taxer notre bon peuple. Parce qu'ils sont bien gentils, mais il ne faut pas nous prendre pour des cons. École de théâtre. Ouvrir avec des théâtres. Marché ici, il est peut-être un peu léger pour les deux, donc je vais remettre encore un marché ici là-bas. Réfléchisse, ici ça c'est peut-être un petit peu trop loin, on va remettre une étude d'ingénierie à une préfecture. Vous voulez mon avis, on est pas mal là. On va tout de même commencer par à faire les ateliers de. Enfin les mines de fer. On sera tranquille. 4. Ouais, 4 ça ira. Bon, je suis un peu n'importe quoi au niveau des routes, mais bon. Alors, on va peut-être pouvoir mettre notre académie militaire. Et notre caserne pour commencer à recruter des soldats. On va mettre juste à côté. Ouais. Pas mal. Et comme ça, on peut construire notre premier fort. Alors, ce coup-ci, je vais pas me faire avoir. Je vais essentiellement construire des légionnaires. Pourquoi des légionnaires? Parce qu'ils sont moins rapides que les cavaliers, mais ils sont plus robustes. Apparemment. Et ils sont moralement plus solides. Je sais que j'ai le droit d'en construire 6 d'un seul coup, donc on va... Je sais pas pourquoi lui il a bugué, enfin bon. On verra bien. Bizarre pourquoi lui il a bugué. D'accord, ok. Fort de légionnaire. Voilà. Normalement, on ne peut pas en mettre plus que 6, normalement, mais bon, déjà là, on est pas mal. Alors, on a le fer, on a les armes, on a... Évidemment, il va nous falloir les entrepôts pour gérer tout ça. Hop, donc il va nous falloir un entrepôt spécialisé dans le fer. Même s'il me semble que le fer, on peut en exporter, hein, je suis pas sûr. Voilà, tout ça protégé par une étude d'ingénierie et une préfecture. Je
pas sûr que le fer en plus là. Non, il n'est pas de question de fer dans nos commerces. Ok. Vous voyez que déjà la population commence déjà à arriver et je me suis même pas mis encore à 100%. Donc quand je suis spécialisé, lui je suis spécialisé dans le blé. Lui dans les armes il me semble. Et lui je suis spécialisé dans quoi? Dans rien. Ce serait pas mal que je le spécialise lui. Dans quoi je peux le spécialiser? L'huile. Ah oui, j'ai mis des olives mais j'ai pas créé d'huile. Donc on va... Lui on va le spécialiser dans l'huile. Je suis sûr que dans nos entrepôts, je suis sûr que dans nos entrepôts, il va y avoir encore. Comment? Je suis sûr que César va encore nous demander des fruits, même si je sais qu'il va nous demander des armes. Ça, j'en suis sûr à 100%. Moi je propose c'est déjà qu'on règle nos trucs parce que je sais à peu près ce qu'il va me demander. Donc ça déjà on va le stocker. La viande on va exporter à partir de... alors je sais pas si César va nous en demander donc on va mettre 20 unités. Les armes je sais qu'on peut exporter, on va exporter à partir de 20 unités aussi. Le marbre, on peut pas non importer. On peut qu'importer. Ça, on peut pas. Et ça, on peut qu'importer aussi. Il y avait l'huile aussi qu'on peut exporter. On va exporter à partir de 20 unités également, au cas où César nous en demanderait. Donc voilà, donc ça paraît pas mal déjà. Je vais devoir faire une petite coupure. Ouais, attendez, on en est à combien de temps? 11 minutes. Okay, enfin, il reste 11 minutes. Attendez que je réfléchisse. Oui, donc les ateliers d'huile. C'est ce qui nous manque. C'est ce qui nous manque. On va aller les faire derrière. Atelier d'huile, on va en faire 4, je pense que ça devrait aller. On va remettre une petite étude d'ingénierie au bout. Et une préfecture pour les incendies. Et je pense qu'on est pas mal. Écoutez, je sauvegarde, petite coupure. Et puis, on se retrouve tout à l'heure. Hey, donc on se retrouve. Désolé pour la petite coupure. On passe à 100%, on regarde ce que ça donne. Déjà pas en fond donc c'est quoi ça? Théâtre, ok. Alors voyons déjà un petit peu ce que ça donne au niveau des forces de travail. Bah ça donne que pour le moment c'est encore un peu bas. On va le mettre en 4. Ça on va le mettre en 4 puissance 5 pour voir un petit peu. Ouais.
Elle va partir doucement à 90%, pas à 100% tout de suite. Un petit peu ce que ça donne. Parce que 100% ça va vraiment très très vite, donc on va... Ok, attendez, juste une minute. Hop, voilà, la préfecture, on va la rapprocher un petit peu. Simplement le comment ça évolue pas parce que tout simplement la nourriture ne vient pas, ça va pas tarder. Aucun dog disponible. Oui, il s'est pas effondré. Hein. Non. Eau polluée. Ouais. Malheureusement, je peux pas faire grand chose. On va peut-être se bâtir un hôpital quand même. Ça évitera d'avoir des ennuis. Alors, qu'est-ce que ça dit? Pas de nourriture, mais ça va pas arriver. Juste parce que les industries et commerces sont trop... On va augmenter un petit peu les salaires, tiens, de 2 pour... juste pour... voilà quoi. On va tout de même repasser à 100%. Bizarre la différence qu'il y a entre 90% et 100%. Évolution démographique, 500 citoyens. Donc ça commence à évoluer. La peste. Bon, ok, c'est parce que de toute façon il n'y a rien en médecine qui fonctionne encore. Ok, bon. On va laisser à 90%. Ok, mais... On a vraiment trop de problèmes avec l'hygiène. Vraiment qu'on résout ça avant le reste. Donc. On va essayer de jouer un petit à cette vitesse là un petit bout de temps pour voir un petit peu comment ça évolue progressivement. Déjà mon grenier là, bon le grenier est plein, c'est quand même bon signe. On va même en créer un deuxième. Hop, on va créer là-bas, ça sera fait. Ok. Essayer de tricher un petit peu, c'est juste temporaire le temps que vraiment bon. Alors résumé du truc pour le moment. On a du poiscaille déjà, donc c'est bon signe. Au niveau de nos forts, pour le moment on a encore aucune unité qui est arrivée, mais c'est normal, c'est parce qu'en militaire on a que dalle. Bon, attendez, est-ce que j'ai relancé le chrono moi?
chamboulé, moi. Bon, bah, vous aurez le droit à quelques minutes supplémentaires. J'ai pas réagi à combien de temps. Ok, bon, alors, question. Est-ce que. Ouais. Est-ce que je me recrée une zone résidentielle? Sachant que quand celles-là vont évoluer, ça va devenir des ghettos. Lieu de culte, donc c'est une... Ah, c'est un lieu de culte là qui merde. Donc, on va essayer. Quel boulet. On va essayer. Passer les cultes pour voir un petit peu ce que ça donne. Est-ce que ça évolue? Ça a l'air d'évoluer. On triche un petit peu avec les priorités pour faire évoluer le tout. Ok. Maintenant il dit pas de quoi se divertir dans le secteur. Donc ce sont tout ce qui est loisirs. On va essayer de passer loisirs en 5. Mal. Les termes. Merde, j'ai encore oublié les termes. Non, ça régresse. Bibliothèque, ils veulent des bibliothèques. Sauf qu'il y en a, donc pourquoi ça marche pas? C'est parce que... L'éducation. À force, on va finir par être à l'équilibre, hein, mais... Faut un peu de temps, faut qu'on arrive à avoir... On est dans le caca. Oh putain, vache, oh, le carnage, au score. A l'aide. Ta priorité c'est militaire. Et c'est où le merdier? Ils sont que deux ploucs, mais... Et ils peuvent tout nous broyer. Surtout, dites-vous qu'on n'est pas pressé. Et merde, il passe à l'attaque. Ok, ils sont là-bas, les... Oui, je sais, ils sont là, mais... Je vais essayer de reconstruire derrière eux, mais bon... Là, tant que... Là, c'est à mes préfets de... À mes préfets de réagir, et... Ça sent mauvais. Oh, je vais t'envoyer en galère, j'y crois pas. Oh non, 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 pas ça, pitié. Non, bah laissez tomber, chut. C'est inutile, je recharge, parce que de toute façon...
Donc, juste, la priorité là, c'est que je m'attendais pas à avoir une attaque aussi vite. Donc là, la priorité, ça va être en 4. Peut-être le militaire, parce que il faut absolument qu'on résiste à ça. Et en 5, l'industrie. 6, production de nourriture. On va laisser comme ça, de toute façon il me faut ça comme ça. Et puis il va falloir que je me crée une autre zone résidentielle. Je vais me la créer ici. Je me la crée ici. Je pense comme ceci. On va se la créer du côté là où je voulais créer le bois plus tard. Donc comme ça, ce sera fait. On va couper un petit peu le bois. On va le faire dans ces environs-là. On va couper un petit peu. Mais bon, ça fait rien. On va faire ça comme ça. Bon, il y en a qui sont en dehors de la route, donc bon, ils vont être supprimés, puis c'est tout. Mettre à l'effigie de Mars, tiens, ça me portera peut-être bonheur pour la guerre. Même si j'ai pas mis l'influence des dieux, donc ça a aucun sens, mais bon. Tout s'écroule encore. J'en suis au niveau de mes forces. Bon, le militaire est à 100%, ça veut dire que je vais devoir pouvoir. Ah ouais, mais il me faut des armes. C'est toujours pareil. Faut que mes mines se mettent en fonctionnement et mes productions d'armes. Ça veut dire que mon industrie doit être en 5. Ouais, c'est ça. 5, ensuite la production de nourriture, mais. Je dirais même qu'il faut qu'on produise de la nourriture avant qu'on passe en industrie, parce que de toute façon, sans nourriture, on n'a pas de population. C'est ça que je tiens avec cette map, c'est que tout part en feu. C'est une zone désertique, donc tout part en fumée. Chose qu'ils ont eu, ils sont en train de faire un feu de joie là. Bon, écoutez, de toute façon, c'est la fin de cet épisode. Je m'en ai aussi pris une, hein, en gros. Donc, bon, de toute façon, on commence à rentrer dans les quêtes qui sont super difficiles.
Donc voilà. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous si vous le désirez. Laissez un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt. J'ai chargé. Quel con! Je me déteste. Bon allez, à la prochaine fois.